Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Très heureux de vous retrouver sur Star Citizen. Mais avant toute chose les amis, on n'oublie pas de s'abonner, c'est ultra important pour le développement de cette chaîne YouTube. J'espère faire beaucoup de vidéos sur d'autres styles de jeux ou même d'autres styles tout court. Que ce soit des vidéos IRL, de l'urbex, des trucs dans le genre. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour faire grimper cette chaîne et me donner encore plus envie de la continuer. Et en tout cas un grand merci à tous ceux qui me soutiendront. Dans tout ça et sur ce projet de monter cette chaîne YouTube au plus haut. Avant toute chose, les amis, dans la description, il y a deux Discord, donc le Discord communautaire où tout le monde sont les bienvenus pour créer une communauté multigaming autour du jeu vidéo en règle générale. Même pour ceux qui en ont envie, vous pouvez me proposer des jeux sur lesquels faire des vidéos, sur lesquels faire entre guillemets des events ou des trucs dans le genre. Enfin, voilà, vous pouvez faire des propositions sur le Discord. Je les écoute attentivement, bien entendu. Je suis à l'écoute. Et le deuxième Discord, du coup, c'est le Discord de la Digiteam Corporation de Star Citizen. Donc, une corporation qui a pour ambition d'aller très loin dans le verse de Star Citizen, donc que vous soyez nouveau ou un groupe, que vous soyez vétéran ou solo, vous êtes les bienvenus au sein de notre corporation. À savoir que notre corporation maintenant nous demande du sérieux, donc tous les gens qui ne sont pas sérieux, qui ne se grèvent pas, enfin c'est pas qu'ils ne se grèvent pas, mais qui ne se mettent pas à 100% dans la corporation, forcément. On dira non parce que on demande un minimum de sérieux. Exemple tout bête, quand vous êtes in-game, voilà, si vous avez rejoint une corpo, c'est pour jouer avec du monde, donc rejoindre le Discord, le vocal du Discord, ce qui est ultra important pour vous, pour la corpo, de voir qui est actif et qui est motivé pour lancer notre corporation au plus haut dans le verse. Pour finir, dans la description, il y a mon code de parrainage, les amis. Les nouveaux comptes RSI, bientôt il va y avoir la Free Fly, donc l'IAE. Donc je compte sur vous pour mettre mon code de parrainage. Voilà, ça vous fait gagner 5000 AUEC en plus, ce qui est énorme in-game. Maintenant, en tout cas, et encore plus dans le futur. Et moi, ça me fait monter mon objectif. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Vraiment, grand, grand merci. Et il y aura bien entendu des remerciements qui seront faits dans le futur quand vraiment on aura avancé sur cet objectif-là. Tous les pseudos seront remerciés, bien entendu, comme pour les abonnements des membres à la chaîne YouTube. Donc les amis, on se retrouve du coup pour une vidéo, c'est entre guillemets la suite de la petite vidéo qu'on avait fait sur le minage. Donc j'ai vu un commentaire qui m'a demandé une suite, donc forcément, je vais la faire, la suite. Ce sera une suite pas piquée des hannetons, pour ceux qui connaissent. On va sortir du coup le C1. Donc le C1, je vais aller vous le montrer comme ça, au moins vous verrez que en fait j'ai déjà, comme un con, chargé une partie du vaisseau. Moyen hangar. Tac. Donc j'espère que ça sera pas. Que ça sera, enfin, qu'il y ait encore de la place, parce que je rappelle que le C1, il a 68 SCU de cargo. Donc c'est un peu chiant, mais. Hop! Il a une soixantaine de cargos. Donc on va voir ce que. Hop là. Donc du coup j'ai, voilà, comme je vous ai dit, j'ai chargé un petit peu. Donc là c'est du fer. Là c'est de l'agricium. Agricium, fer et fer. Donc les amis, bien entendu, à l'heure actuelle, je vais pas. Je vais pas. Je sais plus si la dernière fois on avait laissé le vaisseau. Le vaisseau sorti pour charger tous les vaisseaux, le truc. On verra bien. À l'heure actuelle, je vais pas chipoter pour aller à droite, à gauche, pour vendre au plus offrant. Hein. Comme vous pouvez vous en rendre compte, de toute façon, le journal in-game est baisé. Hein. Quand je parle du journal, c'est quand on fait F1, journal, et on va dans à l'ère des matières premières. Ça, c'est complètement baisé, en fait. Hein. Tout simplement, il ne vaut rien pour avoir testé pour les fournitures médicales, pour avoir testé pour les constructions matérielles. Ça, ben c'est ça a aucune valeur actuellement. Enfin, il ne change pas. Ou alors, s'il change, visuellement, il ne change pas à la revente. Donc, c'est pas ce que nous cherchons. Donc, nous, là, on se dirige du coup à la raffinerie. Donc, les amis, on se retrouve à la raffinerie. D'ailleurs, un endroit où trop stylé, en fait ça ressemble vraiment à une raffinerie, un truc industriel, c'est assez stylé. J'y viens, plus j'adore y venir. Donc là, à savoir, d'ailleurs,
Je vous l'ai pas dit, mais ici, vous pouvez revendre les SCU normalement qu'il y a. Alors, d'accord, c'est bizarre. Normalement, on peut vendre, mais après, c'est peut-être parce que le CR n'est pas rentré. Mais normalement, on peut vendre des minerais ici, déjà tout fait. Donc, je sais pas si vous en rappelez, on avait quitté justement sur ces contrats-là. Donc, là, il y a deux SCU, là, deux SCU. Donc, en fait, quand votre contrat est terminé, vous allez dans un petit truc, dans une petite barre là, vous mettez C1 Spirit, collecter. Collecter. Et du coup, normalement, tout a été dans le C1. D'accord? Tout a été livré. On va aller vérifier après. Je finis de faire celui-ci. Et là, du coup, bah, tant mieux que ça nous arrive. Il n'y a que 1000 de place dans le. Donc, il n'y a que un SCU de disponible dans le C1. Et comme on peut le voir, on ne peut pas faire la vente, justement. On peut pas charger parce que le C1, il est trop blindé. Donc, écoutez, les amis, on se retrouve tout de suite dans le hangar. Pour vous montrer actuellement ce qu'on a dans notre vaisseau. Bon, les amis, donc on se retrouve du coup dans le hangar. Donc je vais fermer parce qu'on va décoller, du coup on va aller vendre tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a la taranite ici, on a le quartz, on a la taranite et là-bas un grissium. Donc d'ailleurs en fait, on aurait pu clairement mettre ça là pour mettre ça là. Et ça ferait deux WC. Même vous savez quoi, je vais. Ah, il est en train de me dire. Pardon, excusez-moi. Le respect, il est passé où? Okay, donc, ce que je fais, les amis, c'est que je charge le reste. Je vais essayer de charger le reste. Et je reviens vers vous dès que je suis dans le vaisseau. Re, les amis, donc après moult péripéties. Comme vous pouvez le voir. Moult péripéties. Comment expliquer que mon deuxième cuisinier, on le voit pas actuellement. Si, là-bas, on le voit. Voilà. Il est là-bas. Le chargé, il est là-bas. Donc, heureusement qu'il nous restait ça quand même. Et du coup, je me rends compte qu'on n'aurait pas pu le charger. Peu importe les manips que je faisais. Mais du coup, heureusement qu'il me restait ce peu de cargaison. Du coup, on va vite fait revérifier le fer. Le quartz. Le boras. Le quartz et la borasse. Donc, forcément, les amis, vous ne tuez pas à ça, vous laissez là. Du coup, on va se retrouver au TDD. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une fois de plus, c'est la ligne verte. Et pour ceux qui ne savent vraiment pas quelle ligne je parle, sur la chaîne YouTube, il y a la présentation de l'Orville disponible. Donc, je vous laisse aller vérifier pour savoir où se trouve la ligne verte. A tout de suite, les amis. Les amis, nous voici au TDD de l'Orville pour la vente du coup de nos minerais. Donc, du coup, super l'ambiance. Le fer, il n'y a aucune demande. Donc, je sais pas, ils avaient qu'il y a un mec qui se fait chier et avant du fer là, tu es en train de me dire. Après, c'était 1-1-1 par 8 TCU ou enfin. J'espère pas parce que ça va être bizarre quand même. On va regarder si ouais, le fer n'est pas en vente. Donc là, le max, ça nous fait 36 000 pour la borasse. Et là, du coup, le max aussi, ça nous fait 3 500. Donc on est sur du 40 000. À savoir que normalement on avait plus les amis. On avait les SCU manquants qui étaient dans le vaisseau. Donc écoutez les amis, ce que je vais faire c'est que bah, je retourne dans le hangar et dès que je suis à vous. Hop, les amis, je vous reprends du coup, nous sommes arrivés dans le hangar. Ce qui est bien, c'est qu'à l'orbite, j'ai un méga hangar. Et du coup, je suis arrivé à l'autre bout là-bas, là.
Donc, courir tout ça m'a cassé les pieds, hein, parce qu'il y avait une porte juste à côté du vaisseau. Et le jeu m'a dit, non, c'est pas possible, frérot. Je sais pourquoi, tu as fait ça comme ça, c'est tout. Et je. Bon, c'est vieux, hein, tu peux rien dire. Hein. Donc là, du coup, petit téléchargement. Donc ça va, c'est pas un très gros déchargement. Donc je pense que j'aurais pas besoin de vous mettre un accéléré. C'est 4-5 caisses, donc en soi, c'est vraiment petit comme déchargement. Par la même occasion, si vous voulez que je refasse une petite histoire au niveau des hauling, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas que c'est vous qui participez à cette chaîne YouTube, les amis. C'est autant ma chaîne que la vôtre. Voilà, si on arrive à progresser avec cette chaîne, c'est grâce à vous. Donc, je compte sur vous pour participer dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, que vous ayez des envies particulières à avoir comme vidéo, même d'améliorer mes vidéos. N'hésitez vraiment pas. Voilà, pareil, cette vidéo elle est là parce que quelqu'un parmi vous a participé dans les commentaires et m'a demandé de voir. Il serait impatient de voir une suite à la vidéo du minage en prospector. Du coup, c'est la suite. Donc, maintenant, c'est la revente. Donc, la revente, les amis, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur la truc comme si vous vouliez le redescendre. Et là, normalement, voilà, ça vous dit. Bah, du coup, ça vaut même moins cher que prévu. À moins que non, ça fait, attends, 36 000, 300, 3 000. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas les calculs. Mais là, du coup, normalement, ça a été vendu et moi, j'ai regardé. Du coup, on a bel et bien eu l'argent. Voilà l'exemple il y a quelques minutes. Donc, au moins, vous savez. Donc, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, partager la chaîne YouTube au maximum. Les amis, je rappelle que c'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube. Un petit commentaire, un petit like, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde.